C'est enfin les vacances pour Faustine Bollaert. Après une année bien remplie avec plusieurs émissions à succès, comme Ça commence aujourd'hui ou plus récemment À table, la jolie brune s'est enfin offert du repos bien mérité. À lire aussi Vita avec son mari Hicham et leur fils, vacances en famille au soleil Ingrid Chauvin, la belle et fière déclaration de son mari Thierry Passio Kim Kardashian, te plaît sans vacances, son mari Kanye la prend en photo. Mariée et maman de deux enfants, Abby, 5 ans, et Peter, 2 ans, la présentatrice télé a vu les choses en grand pour les vacances, cet été même en très grand, puisqu'elle s'est envolée avec toute sa famille pour le Canada. Et d'après les premières photos de Faustine Bollaert partagées sur Instagram, ce voyage a tout l'air d'être une vraie expédition. Entre paysages à couper le souffle, rencontres avec des écureuils, break au bord d'un lac ou encore selfie avec des élans, ils n'ont pas l'air de s'ennuyer. Avec son compagnon, Maxime Chatham, Faustine s'est même lancée dans une des guerres de photos embarrassantes. Et, c'est l'animatrice de France 2, qui a lancé les hostilités en se moquant gentiment de sa moitié à travers un cliché sur lequel il prend la pose près d'un ours en peluche, un ours et une grosse peluche, écrit-elle en légende. Il n'en fallait pas plus pour que le père de ses enfants riposte à son tour. Donc la guerre a déclaré, avait-il lâché avant d'afficher sa femme sur Twitter, visiblement en pleine bataille avec les moustiques, Madame Chatham en promenade dans la forêt, a oublié son anti-moustique. Voilà un voyage qui devrait rester ancré dans leur mémoire.